Ben, c'est parti. Et ben moi je m'appelle Lily Bertad et je vais vous chanter la chanson des VRP qui s'appelle Les Hurlements de Léo. Quand sa mère accouchait de Léo, c'était pour mourir aussitôt. Dans les décombres d'un bistrot, c'était la guerre. Il a grandi, on sait comment, en s'inventant plein de mamans, des prostituées, des sans-argent, la vraie misère. Comme il avait de l'aisance et n'était pas idiot, à son adolescence, il devint gigolo. Dans le lit des femmes chiques, il fit don de ses dons, à vouloir trop de fric, on finit en prison. D'un cachot, on enferma le pauvre Léo avec des brigands, des salauds, c'était l'hiver. Paraît que t'étais un prostitué, lui dit t'as un gars de sa chambre et tu vas pouvoir nous réchauffer, fais pas de manière. N'ayant plus de morale et voulant en finir, en ouvrant un journal, il lut, tu peux m'écrire, mon petit nom c'est Lila, toi tu es prisonnier, si tu veux écris-moi, je serai ta liberté. Il a fallu bien des années avant que Léo soit relâché, mais un beau jour c'est terminé, on le libère. On va pouvoir la rencontrer, celle qu'il appelle ma dulcinée, il va la couvrir de baisers, il fait une fière. Il croit sur le trottoir, un cercueil de points noirs, salue les hommes en pleurs, des robes, une fleur. Il arrive excité, il frappe tout essoufflé, mais celle qu'il a aimée, il vient de la croiser. Dans ce petit appartement, il n'y avait pas grand-chose d'important, mais sur une table, deux instruments, une lettre. Mon petit Léo, gâche pas ta vie, fais ça pour moi, je t'en supplie. Prends cet archer et cette scie, deviens honnête. Dans la rue, il s'installe, joue la scie musicale. Mais il joue tellement mal que même les sourds en parlent. Les voisins excédés par tant de bonne volonté, un jour furent obligés de le chasser du quartier. Rien de très nouveau, on a pu lire dans les journaux, c'était l'hiver. On a trouvé sous un camion le corps d'un pauvre vagabond, le bras scié et un haché, c'est un mystère. Et encore de nos jours, on entend ce refrain, c'est du fond de sa cour un jour, un musicien, sans s'en douter du reste, cherchant un air nouveau, a écrit pour orchestre les hurlements de Léo. Bravo! Merci. Le texte est une de vos compositions? Pas du tout, c'est un texte d'un groupe qui s'appelle les VRP, qui date de pas mal d'années, des années 90, et voilà, qui a été beaucoup reprise par plein de groupes. Voilà, c'était les Hurlements de Léo, que je commence tout juste à jouer, donc plein d'erreurs, mais avec un grand plaisir de la chanter. Voilà. Je vous remercie beaucoup.